Et salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour, et bien enfin, puisque ça fait déjà quelques temps que je devais le faire, la découverte de Sea of Solitude, The Director's Cut, sur Nintendo Switch. C'est un jeu de Quantic Dream, Cocorico. C'est donc, merci de sonner mon alarme en même temps, l'alarme qui me dit qu'il fallait que je commence le tournage. Donc Sea of Solitude, Director's Cut, Cocorico, Quantic Dream, on va le faire en français puisque jeu français de base. Voilà, il est sur Nintendo Switch, il est sorti le 4 mars 2021 sur Switch, disponible dans un petit peu toutes les langues, et il pèse 1,708 Go, et il coûte 19,99 € et de ce que j'en ai entendu, eh bien apparemment c'est une petite merveille. Donc, eh bien, on va partir là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Nouvelle partie. Et c'est vrai que lorsque j'avais vu le trailer il y a quelques temps, ça m'avait beaucoup emballé. Ne serait-ce qu'au niveau de la DA, déjà. Allez. Je sais qu'il est là. Je peux voir son siège. Je le sens bouger sous les vagues. J'adore cette voix. J'arrive pas à le semer. Il doit y avoir un moyen. Il y a quelqu'un. Ah ouais, ça met dans l'ambiance directe, hein. Ah, vibration dans la main, je l'ai pas senti arriver. Ah oui, d'accord, on contrôle les vibrations dans la manette, sont super sympas. Oui, d'accord, waouh. Ah, t'as la vibration du moteur un peu dans la manette aussi, avec les vagues. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'aime beaucoup la DA en mode. Un peu cel shading, hein. Tiens, c'est quoi ça? Ça va? Ah, te voilà! Je commençais à me dire que t'avais coulé. Tu me connais? Qui? Ah, mais bien sûr! Je pouvais pas te trouver parce que ta lanterne est éteinte. Les feux de navigation sont obligatoires sur toutes les embarcations entre le coucher et le lever du soleil. Ok. Je sais pas ce qu'on est, en fait. Waouh. Le soleil. Je sais plus quand je l'ai vu pour la dernière fois. Oh, la petite musique derrière. C'est que je monte le son du jeu, je baisse ma voix. Voilà. Maintenant, trouvons quelques points de repère. Ah oui, d'accord. Je suis amoureux de la musique. Thank you.
C'est de l'art, c'est juste de l'art, en fait. Y a rien à dire de plus, là. C'est sa vitesse maximum. Si tu me perds, lance une fusée pour te repérer. Regarde. Hé, hey, où est-ce que t'es passé? Tu vois, un bon marin ne se perd jamais. C'est pas juste. Tu peux voler et te rendre invisible. Il faut qu'on se dépêche. Allons-y. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Pourquoi il faut se dépêcher? La DA, elle est incroyable. Je suis dans une bulle de protection, il y a de la pluie autour. Et ouais, on est sur Switch là. On dirait sa mère. C'est sa mère? C'est sa mère? C'est sa mère, ou c'est elle-même. Vu faire la façon dont elle parle, la façon dont elle lui ressemble et tout. On dirait sa mère ou elle-même, tu sais. Ah. Ouais, ou sa sœur, je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin, qu'est-ce que je peux faire en termes d'interaction? Je peux sauter, je peux... Ah, je peux aller là-bas, peut-être. C'est magnifique, quand même. Ah non, clairement, c'est... Le jeu est vraiment... Les animations sont parfaites en termes de... tu vois, pour monter les échelles et tout, t'as bistro. Les effets de lumière... Je peux... Tout petit peu de basket. Ne spoilez pas, hein. S'il vous plaît. Ne dites rien. Les effets de lumière sont super bien gérés, les particules, le vent, la pluie, en vrai... Regarde avec les vagues et tout là, j'adore. Il y a la lumière du bateau peut-être. Peut-être la lumière du bateau plus sa lumière à elle. On va essayer de voir. Peut-être les deux ensemble, non? Et si elle t'oublie? Et si elle t'abandonne? Il doit y avoir un autre truc pour débarquer quelque part. Ou pas. J'avais pas d'échelle là. Tu n'y arriveras jamais. Tu vas te faire mal. C'est qu'on dit.
on dirait quelqu'un de sa famille, la façon dont elle habite. Hein. Attends, allez, c'est allumé là. C'était pas allumé tout à l'heure, ça. Si ? Ah, c'était pas allumé ça tout à l'heure. Merci pour ton raid. Merci pour ton raid, Edouard Lim. J'adore, je suis beaucoup trop fan. À chaque fois, ça me fait marrer. Maman m'a dit que je devrais tenir un journal pour me souvenir de tout. Merci beaucoup pour ton raid. Eh oh ! Comment tu vas ? T'es là ? Ah oui, je peux pas avec le... Ah si, je peux faire ça, je peux la diriger après. Ah oui, je peux la diriger après avec le gyroscope. Ah, c'est avec le gyroscope. Ah, je gère avec le gyroscope, ça. D'accord. Ok. Gérer comme je vais avec le gyroscope en fait. Ok. D'accord. Est-ce que j'ai un passage quelque part ou est-ce que... C'est pas une bonne idée nager, c'est pas une bonne idée. Genre s'il se barre, je peux sauter dans l'eau ou pas? On va y voir. Ouais, ah, je peux mais ouais d'accord, ok. Ouf. D'accord, ok, d'accord, top. Et je sais galer sur le truc de là-bas au milieu. Ok. Ok, je fais attention. Je surkiffe la DR. Non, je peux pas. Non. En fait, la fusée me sert à repérer où aller et où est. Attends. Ok, des petits succès en plus partout. Ça me sert à savoir où est justement. Ah, je peux. Ah oui, avec le mode photo. Ah, excellent le mode photo. Les modes photo, je valide dans ce genre de jeu. Genre tellement. Oh, c'est joli ça. Météo. Ah, je peux changer. Ah, ah ouais, je valide totalement. Non mais évidemment, interface. Je valide totalement. Bon, du coup, il y a vraiment des petits trucs à collectionner un peu partout aussi. Pour récupérer. Bon, là, il faut que je vois où est le monstre. Ok, il arrive. J'attends qu'il passe, je saute dans l'eau et je fonce. Allez, vas-y, dégage. Allez, dès qu'il est derrière le bâtiment, go ! Dépêche-toi. Oh punaise! C'est bon, on est passé. Les animations sont super bien foutues, vraiment. Ok, tu vois, regarde. Elle est juste en face. Juste ici. Je peux faire le mode photo quand je veux en plus. Hein. C'est excellent. Oh, c'est très joli ça quand même. C'est quand même beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Après, c'est bien sûr personnel, comme d'hab. Je vais pouvoir aller là. Attends. Cette bouée, est-ce qu'elle m'indique le chemin ou est-ce que c'est un avertissement? Je peux monter sur la bouée ou pas? J'ai peur de sauter à l'eau là. Parce que si je saute et que le monstre est là. C'est un peu la merde. Ah, je peux pas sauter là. Je peux pas sauter, c'est pas la peine. À moins qu'il se barre. Attends. Vas-y, on tente. Ah, je peux monter dessus.
quoi? Élimine la corruption, ok. Ok, je peux monter. Et non, on sait rien pour l'instant sur l'histoire du jeu, c'est ça qui est top. Hein. On n'en sait rien du tout. Merci Goldfi pour ton resub. 15e mois de sub, merci. J'adore. C'est beau. Merci, c'est gentil. Hey, y a quelqu'un? Mademoiselle Oten ouvre toujours les fenêtres pendant ma leçon de piano. Elle dit qu'on joue pour la vie. C'est gentil, merci Night. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis content que les formats de la chaîne te plaisent, merci à toi. C'est moi qui te remercie, tu plaisantes. Merci de me suivre. Attends, j'ai dû louper. En plus, j'ai dû louper un message dans une bouteille à un moment. Ah, j'en ai loupé un. En plus, j'ai dû passer juste à côté. Je sais pas où, mais j'en ai loupé un. C'est dommage. Ah tiens, ça, on va le faire s'envoler. Va-t'en! C'est tellement chouette. Excellent. Non, elle est pieds nus de ce que je vois. On dirait. Attends. Ah. Il y a un truc là. Alors je vais checker parce qu'il y a toujours des petites choses. Ah non, il est magnifique. Attends. Le jeu. Ah, le jeu est vraiment joli. Il n'y a rien à dire. Il peut y avoir des trucs là, à récupérer aussi. Putain, il y a une bouteille derrière. Ah, ça m'embête d'en avoir oublié une! J'aime m'asseoir dans l'escalier de secours, fermer les yeux et écouter les bruits en contrebas. J'ai l'impression de flotter. J'aimerais tellement savoir voler. Ben, vous savez quoi? Je suis sûr qu'elle est par là-bas en plus. Faudrait, Koto, je le ferai pour la vidéo, je le ferai. Bon alors attends, où est la bouteille? Ok, je peux nager plus vite en maintenant la touche B aussi. Important. À noter, j'aurais dû y penser tout à l'heure. Il y a une bouteille qui est cachée quelque part. Peut-être en face là-bas. Peut-être par ici. Non. Est-ce que quelqu'un qui est sur le stream au moment de cette découverte saurait me donner la durée de vie du jeu que nous puissions le mettre dans cette découverte également? Ce
serait très chouette, hein, parce que le jeu est sorti depuis un petit moment sur les autres supports, il débarque sur Switch là, mais on devrait déjà avoir accès, je pense, sur Internet à la durée de vie, qu'on puisse savoir. Ce serait chouette pour ceux qui regarderont la vidéo. Ah, j'ai dû louper une des bouteilles, je peux pas retourner en arrière. Je peux pas retourner en arrière, malheureusement. Malheureusement pas. Bon bah du coup on peut regrimper là. Vas-y, go. Pas très long, 3 à 4 heures. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est assez court. C'est assez court. C'est assez court, effectivement. Allez. Je peux pas te laisser passer. Tu gâches toujours tout. Tête sa sœur. J'ai besoin. 3 heures histoire principale, 4 heures avec les extras, 5 heures les complétistes et 3h30 tous les styles. Ok. Bon, donc on est aux alentours de 3-4 heures. Personne. D'accord. C'est égoïste. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Ça va. C'est une hypocrite. T'arriveras pas à l'éviter. D'accord, sympa. T'arriveras à aider personne. Bah écoute, vas-y. Excellent le petit plongeon. Saut de l'ange. Je peux peut-être retourner là où j'avais oublié la petite bouteille. Attends, je regarde. Je suis bien contente de t'avoir retrouvé. Oui, c'était moche. Attends. Je pense que la bouteille doit être par là. On en profite. Oh, la musique est incroyable. C'est court, mais c'est bon. Ah, je reviens là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu le monstre en face, je l'ai vu. Bon, la bouteille devait être ailleurs. Histoire, drame psychologique d'une fille plongée dans une mer de solitude selon le titre et qui est rabaissée par sa mère qui la rend pas très sociable. Ok, bah c'est bien ce qui me semblait du coup, que c'était bien sa mère. Hein. Tu vois. Donc on est sur une grosse métaphore quoi. Ce qui ne m'étonne guère. Hein. C'est de la métaphore. Bon, je sais pas où est la bouteille, je sais pas. T'es pas rentré toi là, qu'est-ce que tu fais? T'es ouf? C'est de la métaphore. Tiens, c'est pas ça. C'est au niveau du prix que ça va coincer pour certains. C'est au niveau du prix. Je sais très bien que pour certains ça va coincer au niveau du prix.
c'est difficile à l'heure actuelle de mettre 30€ dans un jeu pour 4 heures. J'ai totalement conscience. Après, je pense qu'il faut pas le prendre comme 4 heures, 30€. C'est une expérience de jeu, c'est une petite œuvre d'art, un peu comme quand vous allez voir un film, tu vois. C'est un peu comme aller voir un film, en fait, ce genre de choses. C'est rentrer dans une direction artistique. Après, voilà, c'est... Il en faut pour tous les goûts, et malheureusement ça conviendra pas à tout le monde aussi. Et je peux comprendre aussi que financièrement ça ne puisse pas être pour tout le monde, tu vois. J'en ai totalement conscience. Hein. Et je peux totalement comprendre. Les coups de tonnerre dans la manette sont sympas. Attends, par contre... Vas-y, 3, 2, 1, maintenant. Pêche-toi. Merci. Oula, ça me paraît un peu loin, ça. Mais c'est le prix qui va coincer, évidemment, parce que le jeu est très bon, le jeu est très beau, les musiques sont incroyables, c'est le prix qui va coincer pour beaucoup, évidemment. Mais il n'est pas trop cher, parce que le développement, parce que le jeu, tu vois, en fait ça doit être compliqué, je pense, pour des développeurs à l'heure actuelle de donner un prix à un jeu, surtout sur ce type de jeu là, tu vois, ça doit être très compliqué. Le problème, c'est qu'il est pas trop cher. C'est qu'il est... Il est... Par rapport à la conjoncture actuelle, il est trop cher. Mais par rapport au jeu qu'il a, il n'est pas trop cher. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois, il vaut son prix. Mais voilà, tu vois. C'est 30€ en boîte, mais 20€ en démat. Donc... En démat, ça passe beaucoup plus qu'en boîte, forcément. Après, voilà, il y a plus de prix en boîte. Après, voilà, c'est 20€. Si pour 20€, si, quoique si pour 20€, ça passe. Mais pour 30€ en boîte, bon, il faut. Je pense qu'en fait, il faut surkiffer le jeu dans un premier temps pour pouvoir le prendre en boîte. Tu vois? Je pense qu'il y a ce genre de choses, tu vois. Mais le jeu n'est pas trop cher, c'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est pas le jeu qui est trop cher. Après, il y aura très certainement des promos à la longue, évidemment, sur ce genre de choses. C'est possible, oui. Ça, oui. Mais au moins la vidéo sera sortie et sera disponible pour ceux qui souhaitent. Au moment où il sera en promo, ce sera plus simple au moins d'avoir une vidéo pour savoir ce que ça donne. Ok, donc ça c'est ouvert. Je peux passer... Ok, bon là au moins j'ai ouvert pour le truc. Bon, je pense qu'on va peut-être pas faire une découverte trop longue. Je pense que ça se suffit. Je pense que ça suffit en tant que tel, de toute manière. Mais vas-y, ça passe. Je le tente. Soyons fous. J'ai envie de voir ce que ça fait si on se fait choper. On se bouffait. Ah ouais, c'est violent quand même. Ah ouais, c'est violent quand tu te fais choper. Quand même. Bon, allez, on va arrêter cette vidéo là pour la découverte de Sea of Solitude. Parce que là, du coup, entre guillemets, on est à un cinquième ou un sixième du jeu concrètement. Le jeu n'est pas trop cher parce que le jeu est très joli. Vraiment, le truc, c'est que ça doit être compliqué de situer un tel jeu 20-30€ pour des joueurs qui vont se dire « Bah ouais, mais pour 20 ou 30€, je peux avoir des jeux qui me durent plus longtemps. » Je pense que c'est difficile aussi de ne pas voir la durée d'un jeu.
Parce que forcément, vous achetez un jeu, vous avez envie qu'il dure le plus longtemps possible, ce qui est normal. Ce qui est normal, je peux pas blâmer ça. Donc je comprends aussi. Moi je le trouve très joli. Je le trouve incroyablement poétique. Maintenant c'est compliqué aussi de ce côté-là, mais c'est top, encore une fois. C'est à vous, moi je suis pas là pour vous dire d'acheter ou de pas acheter un jeu. Moi je suis là pour vous le présenter, et après c'est vous qui faites votre choix par rapport à ce que je vous montre, encore une fois. Hey, hey, Fabino, down, down, before we go. Hey.